Bon matin. Bon matin, il doit être quoi, 7h et quelques. Il est tard aujourd'hui d'une façon, parce que depuis une semaine maintenant, on se lève le matin et on va faire du jogging sur le bord de la mer avant que le soleil soit pleinement levé. Hey, il est 6h55, il est pas 7h. Ben c'est ça, mais là il est tard parce que d'habitude on arrive vers 6h30. Mais alors, regardez-moi la vue d'enfer. Puis là après ça, vous allez voir, là, on va aller chercher notre noix de coco. Coco frio. Pas mal tous les matins, on va se promener en ville chercher des frutas, verduras. Ah ah, chez Moringa, on va là genre 4 fois par jour, non, peut-être 2 fois là. Puis là, on vient acheter du lait d'amande pour faire un bon smoothie vert. Penses-tu que ça se passe? Ouais. Ça fait comme quelques jours qu'on travaille un petit peu, qu'on va à l'océan, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose de différent. On devrait faire une marche vers la croix. C'est fun parce que Puerto Escondido en espagnol, ça veut dire le port caché. Ouais, Escondido, ça veut dire caché. Nous, on croyait, quand on entendait parler de Puerto Escondido, qu'on avait affaire à un Puerto Vallarta ou bien à un Playa de Carmen. Ouais, j'étais sûre que c'était comme, tu sais, avec des centres commerciaux, des magasins américains, Starbucks. On était vraiment sur nos gardes avant d'arriver. Puis quand on a vu dans quel coin on était, ben c'était un peu ridicule parce qu'on vit quasiment dans le jungle. Je veux dire, il y a notre auberge, un coin de rue avec le petit mercado, une petite rue avec comme des restaurants, la plage, puis c'est pas mal tout ce qu'il y a là-bas. Les rues sont en sable, fait qu'on va genre nu-pied, ça prend une minute à aller à l'océan. Ouais, le soleil est vraiment fort. Comme aujourd'hui, je me suis habillé, je me suis couvert parce que là, je suis rouge comme un homard. Il y a eu un coup de soleil. Ah ouais, mais non, c'est la première fois que moi, personnellement, que je profite autant d'une ville de plage quelque part au Mexique. Ça, c'est le genre de chemin qu'on est en train de suivre. Ça paraît pas, mais on est dans un quartier résidentiel ensemble. Ouais, comme il y a du monde qui vit ici. C'est super beau. C'est tranquille, là. Oh, mon Dieu. Oh, je sens une paix intérieure, là. J'ai l'impression que c'est plus commun d'avoir un cheval qu'une voiture, ça. Ouais. Ben, surtout dans ce chemin ici, ça sent les chevaux. Finalement arrivé à la croix, en chemin il a fallu comme couper à travers le champ parce que dans la rue pour se rendre ici, il y avait un chien pas de laisse qui nous échappait après. Il avait l'air meurtrier. On a sauté par-dessus des barbelés. Je comprends pas l'idée de protéger une croix avec des barbelés. En 2015, quand on est allé à Cusco au Pérou, on a eu un hôte qui s'appelait JJ. Dernier jour à Cusco avant Machu Picchu. Alors on vient de dire bye à JJ. This was JJ, the super wonderful host. We recommended. C'était un gars du Cameroun, britannique en tout cas. Ce soir, c'était une soirée bien ordinaire à Puerto Escondido.
Habituellement, là, on venait de souper. On venait de finir le souper. Puis dernièrement, le soir, on va au petit magasin d'aliments naturels. Puis on achète des desserts là-bas, comme des petites truffes au chocolat. Là, on marche en chemin. Je vois un gars. Puis là, je sais pas pourquoi il parlait avec un accent britannique. Je l'ai reconnu tout de suite. J'ai dit à Maya, attends, je pense que c'est JJ. Fait qu'on s'en va voir JJ. JJ les a plus ou moins reconnus vu qu'il y a eu tellement de monde dans son Airbnb. Mais il est tout excité en ce moment, puis il nous parle sa vie là. Fait que là, on va filmer JJ pour vous prouver que le monde est tellement petit. Parce qu'à soir, on a rencontré un dude que ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu. Puis la dernière fois qu'on l'a vu, il était au Pérou. Puis là, en ce moment, on était au Mexique, man. Check bien ça. How many times have you been away since that Peru? Well, we left for a year when we were there. Oh, so that was a whole year? That was like our first week when we were there. Wow, that was like the beginning. Yeah, we went to like 8 countries. It was amazing. That was just South America? Ecuador, Chile? No, actually, no. Chile, Colombia, Peru. Oh, and then we went to Nicaragua, Guatemala, Honduras, Mexico, and Cuba. Okay. Yeah. And he needs Wi-Fi. Yeah. So that would have been ideal for him. But I can't believe I met you people here. Aujourd'hui, on est à une place, une célèbre plage de nudistes. Ça a l'air qu'il y a bien des tout nus ici. À date, j'en ai vu un vieux bonhomme bronzé. La plage est vraiment sensationnelle, honnêtement. Je pense que c'est une des plus belles que j'ai vues depuis qu'on est ici au Mexique.